La particularité s'identifie au programme national et aux événements nationaux. D'habitude, c'est le 22 décembre de chaque année. On s'était réunis ici le 17 décembre pour le cachet final de préparatifs. Le même soir, 27 décembre, il y a eu des événements douloureux que nous avons connus à Kaloum. La famille Conté, la direction nationale du parti, ont jugé de reporter. Nous avons profité de ce temps entre le 22 décembre et aujourd'hui pour exécuter un certain nombre de réalisations. Deux blocs de latrines, un grand hangar qui n'est pas encore achevé, la rénovation de la mosquée, des forages et d'autres améliorations d'accueil pour le FIDAO. La particularité de cette année, c'est qu'au mois de mars, là, coïncide à l'anniversaire de la mort de Hadja Mama Camara, maire de Hadja, de l'âge général Lansana Conté. Elle est décédée au mois de mars. Nous avons fusionné les deux cérémonies. Aussi, nous avons profité de cette occasion pour prier pour les victimes de l'incendie de Kaloum et prier pour nous, pour les Guinéens et les Guinéennes, les filles et les fils de ce pays. C'est cela la particularité de ce 15e anniversaire du rappel à Dieu du général Lansana Conté. Nous sommes satisfaits de la mobilisation. Vous savez, 72 heures avant, nous étions très inquiets parce qu'il y avait une grève. Et cette grève impliquait les transporteurs. Comment mobiliser? Ce n'est qu'à la veille, parce qu'on commence à rallier ici le jeudi. Donc c'est à partir de ce jeudi-là qu'on a suspendu la grève. Nous étions inquiets. On ne s'attendait pas à une telle affluence. Mais quand on parle de Conté, on parle de la Guinée, on parle de Guinéennes et de Guinéens, toutes ethnies confondues. Je remercie des donateurs. Le premier, c'est le président de la République. C'est lui qui nous a aidés à construire le hangar et le bloc de latrine. Qu'il soit vivement remercié. Nous avons un donateur anonyme qui nous a donné 5 forages à la famille Conté. Qu'il en soit, on profite de cette occasion, qu'il en soit aussi vivement remercié. Il est anonyme, il l'a fait, on m'a appelé, les forages sont réalisés. Nous remercions l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens, ceux et celles qui se sont mobilisés et ceux et celles qui ont voulu se mobiliser mais qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous pour cette cérémonie. Nous remercions tout le monde, y compris vous qui nous permettez d'être entendus et vus à distance. Merci encore une fois à tout le monde.